Alors, certainement que dans Élément, on n'avait pas assez commémoré le 50e anniversaire de 1968. Or, il y a un événement un peu passé sous silence, qui est le 22 novembre 1968, la sortie du 6e album des Kings, The Kings Are the Village Green Preservation Society. Alors, c'est vrai que les Kings s'inscrivent a priori dans le groupe des groupes de rock britannique classique des années 60, donc les Beatles, les Stones, les Who par exemple. Ils s'en distinguent peut-être en partie par leur origine populaire. Hein, les frères Davis, Ray Davis l'aîné et son frère Dave le guitariste, étaient issus du quartier populaire de Muswell Hill au nord de Londres. Alors, quartier populaire au sens des années 50, c'est-à-dire, c'était pas jamaïcain ou pakistanais, mais issus de milieux ouvriers. Autre particularité, c'est le fait d'avoir cultivé plus que leurs acolytes leur anglicité, puisqu'à partir de 1965, ils ont été privés pendant 4 ans du marché américain, enfin plus exactement de l'organisation de tournées aux États-Unis suite à des bagarres entre musiciens lors de concerts. Donc ils ont beaucoup plus cultivé à partir de ce moment-là des aspects typiquement britanniques. En 1965, Ray Davis affine de plus en plus son talent d'auteur-compositeur, à la fois sur le côté mélodique, mais en particulier donc, sur les thèmes de ses chansons, où il va de plus en plus développer un aspect de critique mordante vis-à-vis du pouvoir de l'argent, vis-à-vis de la superficialité de la mode, et puis au contraire, développer une sorte d'éloge à la fois des plaisirs simples de la vie populaire, et puis même d'aspects typiques de l'Angleterre traditionnelle, comme le thé de 5 heures, par exemple, qui fait l'objet d'une chanson à succès. Là où Ray Davis en fait développe le plus cette sorte de grille idéologique quasiment, c'est le double album de 73-74, Preservation, où les Kings ont choisi de revenir en fait dans le cadre de ce village green qui était cette Angleterre traditionnelle, et d'en faire le théâtre d'affrontement entre deux personnages assez caricaturaux, mais qui campent bien chacun leur idéal, qui est une sorte de libéral libertaire, un promoteur véreux et lubrique qui s'appelle Flash, qui est opposé à une sorte de populiste anticorruption, mais aux tendances à la fois puritaines et totalitaires. Et au milieu de cet affrontement, en fait, Ray Davis continue à placer comme idéal la common decency, la décence ordinaire, les valeurs simples du peuple. En fait, on trouve dans cette description des milieux populaires par Ray Davis le même type d'approche que Orwell a pu développer dans The Lion and the Unicorn, qui était un livre qui montrait en fait un socialisme vraiment particulier, compatible avec l'enracinement britannique. Et les paroles, enfin les chansons des Kings illustrent tout à fait en fait plusieurs extraits d'Orwell, comme quand Orwell dit oppose la liberté économique et le droit d'exploiter les autres à une autre liberté, pour lui typiquement britannique, et la liberté d'avoir un intérieur à soi, de faire ce que vous voulez de votre temps libre, de choisir vos distractions, au lieu qu'elles soient choisies par vous d'en haut. Donc on trouve ça vraiment dans les chansons à la fois de Preservation Society et de l'album suivant de 1969, Arthur. On a un éloge du petit pavillon, des pantoufles au coin de la cheminée. Et on retrouve également cette idée que, donc je cite à nouveau, non pas Orwell, mais Michéa dans son essai Orwell, anarchiste Tory, qui dit que le désir d'être libre ne procède pas de l'insatisfaction ni du ressentiment, mais d'abord de la capacité d'affirmer et d'aimer, c'est-à-dire de s'attacher à des êtres, à des lieux, à des objets, à des manières de vivre. Effectivement, dans les paroles des Kings, on retrouve régulièrement des choses comme l'éloge du cricket, ou autres traditions typiquement britanniques, les pubs, où se retrouvent les classes populaires. Society, God save Donald Duck for the village.
Appreciation Society. God save strawberry jam and all the different varieties. Serving the old ways from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? Appreciation, it's all you.